tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va donc faire ensemble une petite carte que l'on appelle diamant. Vous voyez, qui se compose donc d'une partie pop-up et la face avant, elle est en forme de losange, en forme de diamant. Et vous avez un petit espace ici pour écrire votre petit message. Donc, celle-ci était réalisée avec du papier tasse de thé. Je crois qu'on avait ce papier-là. Donc, vous voyez, j'ai mis une petite tasse avec la petite ficelle et le sachet de thé. Et à l'intérieur, j'ai mis le petit message « Prenons une petite pause ensemble ». J'ai fait celle-ci également, qui est dans des tons davantage de rose. Voilà, c'est un papier que nous avons donc au catalogue, qui est disponible sur internet, bien sûr, sur mon site. Ici, donc, j'ai mis deux petits papillons, quelques petites branches ici derrière, et un petit message, donc, amicalement. Donc, c'est le même principe, vous voyez, elle s'ouvre comme ceci. Donc, aujourd'hui, on change de thème. Et on va travailler avec le set de tampons au comble du bonheur, qui est tout mignon. Il a son papier qui est coordonné, mais je pense qu'il est plus disponible au catalogue. Alors, je vais reculer un peu la caméra. Donc, on avait un petit papier bien sympathique avec des feuillages, des troncs, des petits champignons. Et on retrouve notre petit ourson. Notre renard, notre petite chouette. Et donc aujourd'hui, ben je vais travailler avec le papier. Où est-il? Du feuillage. Donc, celui-ci, qui est un petit coordonné de feuillage. Et je vais travailler aussi, je vais apposer devant, donc, notre mignon petit ourson. Allez, c'est pour partie. Alors, pour ça, j'ai choisi du papier sable du Sahara. Et j'ai donc commencé, très légèrement. J'ai pris donc un papier qui mesure 27 cm par 15 cm. Donc, 27 par 15. Et j'ai fait un premier pli. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc ici à 9 cm et à 18 cm. Jusque là, rien de très compliqué. Je vais donc en faire ensuite faire une petite marque, deux petites marques même d'ailleurs, à 4,5 cm. Donc ici et à 13,5 cm ici, et ensuite dans ce sens des 15 cm je fais un petit repère, c'est pareil à la moitié à 7,5. Voilà, vous allez comprendre pourquoi cette partie, c'est donc la partie de devant avec le triangle, n'importe quoi, avec le losange. Je vais donc maintenant marquer des plis. Je reprends le massicot et je vais tracer un pli, marquer un pli. Donc je vais marquer celui-ci, donc qui part de notre repère ici à 4,5. Et qui va venir, je ne l'ai pas marqué, à notre repère de 13,5. Je vais faire mes petits repères en haut et en bas. Sinon, on va galérer. Alors, ici, donc on a dit à 4,5 cm. Un petit repère. Et un autre à 13,5 cm. En fait, ce que l'on va faire, c'est tracer un repère
à partir de ce premier point ici à 4,5 cm jusqu'à notre repère ici à 13,5 cm. Et on va faire à l'inverse un repère de un pli pardon de 13 à 13,5 cm et on va descendre jusqu'au 4,5 cm. C'est ce qui va nous faire ici la diagonale. Allez, je vous montre tout ça. Donc, je prends le massicot, je positionne ici mon petit repère. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Mon petit repère qui est à 4,5 ici, et je l'aligne ici dans la rainure du massicot. Je l'aligne au repère de 13,5 cm. Vous voyez ici dans la rainure j'ai mon repère à 4,5 et dans la rainure j'ai mon repère à 13,5 et je vais faire mon pli. Vous voyez, il est marqué. Je vais faire maintenant celui-ci de manière à ce que ça se coupe bien ici. Alors ce tuto, évidemment, il n'est pas de moi, je ne suis pas assez maline. Je l'ai trouvé sur internet, sur Pinterest d'ailleurs. Et j'ai trouvé l'idée très très originale. Allez, je fais ma marque de pli. Et vous voyez que, alors je ne sais pas si vous voyez grand chose à l'écran, mais la croix donc se partage, les traits se rejoignent ici, au centre, donc à 4,5. Ah, 7,5, pardon. Pouh. Je vous dis des bêtises aujourd'hui. Je vais marquer mes plis. Alors, celui-ci. Hop, on appuie bien les plis. Celui-ci. Voilà, voilà. Et ensuite, ma petite croix. Mon X. Voilà. Voilà. Donc voilà, nous avons la base de notre carte. Alors, ici. C'est le morceau qui vient se positionner ici. Et notre carte, vous allez voir qu'elle va y aller toute seule directement. Hop. Alors, celui-ci, c'est un pli montagne. Ça, c'est un pli montagne. Ça, c'est un pli vallée. Oui, forcément, j'ai oublié de couper ici, vous voyez, le losange, j'ai oublié de couper ces morceaux-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait mon petit repère ici, dans cette longueur des 15 cm, j'ai fait un petit repère à 7,5 cm. Et si je ne coupe pas, ça ne va pas marcher. Allez, donc, je coupe à partir du repère à 4,5, je vais jusqu'à 7,5. Donc toujours pareil, je le positionne dans ma rainure du massicot. Hop. Et je coupe. Et je fais pareil pour le morceau du bas. Je me positionne ici donc à 7,5 jusqu'à mon repère de 4,5. Je coupe. Voilà, comme ça, je pense que ça marchera mieux. Ici. Voilà. Hop.
Allez. Vous voyez, on a notre base. Il doit me manquer un pli. Non, je vais l'inverser. Ça fait longtemps, mais ça fait plus aller sur le pli de la mauvaise façon. Ça ne veut pas y aller. Voilà, je l'avais mal plié. Donc ici, on a un pli valet. Ici, on a un pli valet parce qu'il est à l'intérieur. Ici, on a 2-4 plis montagne parce qu'ils sont à l'extérieur. Allez, je remarque bien mes plis. Hop. Et voilà, vous voyez, on a notre base de cartes. Hop. Je vais maintenant découper dans le petit morceau de papier. Donc, ici, Bonheur en forêt, je crois qu'il s'appelle. Je vais donc découper ce losange pour mettre devant. Donc, je prends celui-ci. Vous voyez, je vais le mettre ici. Je prends celui-ci et je vais donc découper une bande de papier qui va mesurer 15 cm par 9 cm. Alors, bon, mon papier n'a pas tellement de sens. N'importe comment que je le tourne, de toute façon, les feuilles sont dans tous les sens. Allez, on va le continuer comme ceci. Donc, on a dit 9 cm hop, par 15. Voilà. Dans la longueur des 9 cm, je fais un petit repère et je vais le faire sur l'envers. Ça évitera de tout gommer à la fin. Je fais un repère à la moitié, donc à 4,5. Et dans la longueur des 15 cm, je fais un repère à 7,5. À la moitié. Tout ça pour aller le couper après en forme de losange. Allez, 9 cm donc. 4,5. Hop, 4,5. Et ici, comme ça fait 15 cm, je le mets à 7,5. Je regarde que tout fonctionne. Et je le mets à 7,5 aussi. Et je vais donc couper. Donc, là, de mon repère ici à 4,5, je vais couper jusqu'à mon repère de 7,5, ici, ici et ici pour obtenir notre losange. Alors, toujours pareil, je me positionne dans le massicot. Donc, je positionne mes repères dans ma rainure et je coupe. Sans regret. Ici, je fais pareil. Donc, du repère de 7,5 jusqu'à mon repère ici. Je ne sais pas si vous ne devez pas le voir à l'écran. J'ai mon repère de 7,5 qui est ici. Hop, je me positionne bien dans la rainure et je coupe. Et je continue. Donc, mon repère ici à 4,5 à mon repère ici à 7,5. Ici et un petit dernier, donc de cet angle à cet angle. Et voilà donc notre losange. Alors peu importe le sens, on aplatit un peu les traces de coupe. Alors je sais pas quel est le meilleur côté, le meilleur sens.
Allez, on va dire comme ceci. Vous savez, petites fleurs roses ici. Elles sont davantage montantes. Allez, je vais commencer donc à prendre par coller ce morceau. Je prends mon tube de colle. Hop. Et je dis que je le collais dans ce sens. Voilà. Impeccable. Hop, toujours un petit peu de colle par les doigts. Hop, je vais aplatir un petit peu mes angles et mes découpes. Et voilà. Alors, hop, sur mes autres cartes, cette partie-là, vous voyez, j'ai remis un petit rappel de couleur. Manière qu'à l'ouverture, ça fait, je trouve, un petit peu plus joli. Vous voyez, quand on l'ouvre, hop, comme ça. Donc ben là, je vais faire pareil et je vais prendre, par contre, l'arrière. Alors, celui-ci et celui-ci. Mais je vais enlever un petit peu de longueur sur cette partie pour que ça rentre bien en fait dans ce petit triangle. Sinon, ça dépasse, c'est pas très joli. Donc, j'enlève 2 mm. Donc, sur ce côté, on a 2 mm sur cette tranche et 2 mm sur cette tranche. Hop. 1. Et voilà. Vous voyez, comme ça, on arrive mieux à le positionner. Ça déborde pas sur le papier ici, ni même sur la pliure. Ça. Ici. Et je fais pareil avec celui-ci. Et un. Et deux. Voilà. Je vais les couler de suite. Donc, j'ouvre ma carte, toujours pareil, c'est plus facile pour coller. Et je colle. Hop, mon deuxième morceau. Et voilà, j'en profite tant que je suis là pour juste enlever mes petites traces, mes petits repères en fait. Voilà, voilà. Et vous voyez déjà notre petite carte, elle commence à prendre forme un petit peu. Je vais ensuite m'occuper de ma petite décoration ici devant. Donc je prends mon set de tampons et mon ourson. Hop. Je vais prendre un morceau de papier blanc ici. Hop. Mon Simparatus. Et je vais tamponner mon petit ourson. Hop. Vous voyez comme il est mignon, mon petit ourson?
Allez, je le positionne ici. Et je vais le tamponner. Hop, on le colle au stamparatus. Je prends mon encre qui est donc coordonnée à mon papier sable du Sahara. Vous voyez, sable du Sahara. Et je vais tamponner mon ourson. On appuie bien pour qu'il s'imprègne. S'il n'y en a pas assez, on recommence. C'est l'avantage du stamparatus. On n'a rien qui a bougé, ni le papier, ni le tampon. Donc, on n'a pas de souci. Allez, un petit nettoyage. Un autre petit ourson. Hop. Et voilà, on peut le remettre gentiment à sa place. Je vais prendre ensuite ma Big Shot. Hop. Je vais fermer mon encreur. Et je vais découper mon petit ourson avec les poinçons qui sont donc coordonnés. C'est de tampon et mon petit ourson, il est là. Hop. Allez, on le positionne ici. On essaie de ne pas bouger pour la découpe. Hop. Et on va voir. Voilà, voilà, mon petit ourson est découpé. Avant de le peindre, voyez mon petit ourson comme il est mignon. Voilà, donc il va venir se positionner devant. Et je vais prendre un morceau de papier vert olive qui est donc coordonné à nos branchages et à nos feuillages ici, et je vais couper quelques feuillages pour le rajouter à ma carte. Hop, je vais découper des petits sapins, un petit sapin. Allez, je vais d'abord pousser un peu tout ça. Je vais juste découper un morceau de papier de papier vert. Hop. Je positionne mon sapin comme ceci. Et mon petit sapin, il est tout rikiki, il est ici. Vous voyez?
Hop, des petits mots, un petit tout son. Hop, mon ourson. Et mon sapin. Bon, on ne le verra pas beaucoup. Mais on sait qu'il est là. Hop, je récupère mon poinçon. Et je vais coller tout ça. Hop, on va mettre la deuxième plaque. Allez, on va coller notre ourson et notre petit sapin. Alors même qu'il déborde, petit ourson, c'est pas très gênant. Au contraire, je trouve que c'est pas plus mal. Alors on va d'abord coller le petit sapin. Hop. Alors on va essayer de pas faire déborder la colle. Voilà. Je le colle ici. On rapproche un peu. Et je vais coller mon petit ourson. Hop là, il est tout mignon. C'est limite que je déborde avec la colle. Bref, bref, bref. Alors ici, je vais mettre un petit morceau de papier blanc de manière à pouvoir écrire un petit message. Hop, je reprends mon papier. Et je vais découper un morceau de papier blanc qui mesure 9,5 par 14,5. Allez. 14,5 par 9,5, c'est donc 3 pouces et demi. Je ne suis pas allée assez loin. Alors, je termine le ciseau. Voilà pour ça. Je vais le coller directement ici. C'est pas 9,5, c'était 8,5. Voilà comment on fait des bêtises. Je trouvais ma bande un petit peu large, il me semblait à vue d'œil. Voilà. Allez, je le colle. Non, je vais d'abord tamponner. On va tamponner. Qu'est-ce qu'on va tamponner? Un petit feuillage. Tiens, ici. Un petit rappel du papier qu'on a mis dessus. Allez, on prend le petit feuillage, il est là. Hop, je reprends mon apparatus. Hop, et je vais le positionner. Par ici. Hop, je place mes aimants. Hop, je prends donc mon encreur vert olive. Et je pose ma petite touche de rappel. Voilà, voilà. Je n'en mets pas trop parce que je veux laisser la place aussi pour écrire la carte à qui je destine. Je veux pouvoir écrire un petit message. Allez, je nettoie mon feuillage. Hop.
je vais coller cette partie donc sur la carte. Hop, je vais fermer. Et vous voyez, on a juste notre petit feuillage qui apparaît ici. Allez, le tube de colle. Hop. Inutile d'en mettre beaucoup, je vous le dis toujours, parce que c'est une colle qui colle très très bien. Voyez, comme ceci, il nous manque un petit message. Donc, comme c'est un petit nounours, ben je vais mettre le petit message. Bienvenue, tout simplement. Allez, je reprends un petit peu de papier blanc. Pas la peine d'en avoir trop, parce que le message est tout petit. Je reprends le Stamparatus. Hop, un petit peu de papier blanc. Alors ça, il ne fallait pas le faire. Hop. Hop. Allez. On va essayer de le mettre à l'endroit quand même. Ici. Et je vais donc le tamponner en vert. Hein. Ressorte un petit peu. Allez, je le colle. Mais je suis toujours hors champ, c'est pas possible ça. Là. On va retamponner un petit peu. Impeccable. Allez, on nettoie. Et hop, on met ça de côté. On ferme le tampon ancreur avant l'accident. Je prends ma petite perfo préférée. Vous devez le savoir depuis le temps. Donc celle-ci qui nous fait cette découpe. Elle est bien sale ma perfo. Qui nous fait donc cette découpe. Tout simplement. Allez. Hop. Et je vais coller mon petit message. Mais par ici. On va le coller là. Hop là. Un petit peu de colle. On prend le message. On essaie de le mettre à l'endroit. Et mon petit message ici. Voilà, voilà. Notre carte balai terminée. Presque, je dirais, presque terminé. Parce que j'aime bien, avec mes Stampin' Blend, faire des petits points et apposer dessus un petit peu de glossy. Ça donne un petit air, des petits points brillants à la carte que j'aime bien et que j'aime beaucoup faire. Juste après, il faut leur laisser le temps de sécher. Allez, je vous montre. Hop, on prend notre Stampin' Blend, on fait des petits points. Allez, aujourd'hui je suis une folle, je vais en faire 5. On va mettre un par ici. Et allez, un autre sur bienvenue. Voilà, donc mes petits points, vous voyez, ils sont faits.
Je prends donc mon glossy. Hop, est-ce qu'il reste un peu? Parce qu'il sèche très vite. Et je vais donc la poser. Voilà, comme ceci. Et je vais donc juste en mettre une goutte. Sur mes petits points. Et le petit dernier à 5. Voilà. Et après, on n'y touche pas jusqu'à ce que ce soit sec. Vous voyez? Vous voyez, ça fait une petite goutte. Et au séchage, ça devient brillant. Je vous montre ceci, par exemple. Attends, je vais la pousser un petit peu. Vous voyez? Ceci. Celui-ci, il est fait avec le glossy. Et ça fait un petit peu de relief. Et un petit point brillant. Voilà, voilà ma petite carte du jour. Donc, c'est ma petite carte losange. Donc, c'est un petit tuto donc, que j'ai pris sur Pinterest. Hein, pas de soucis. Et bien, sur ce, je vous souhaite un très agréable week-end de Pâques. Et je vous dis à très bientôt. Une autre vidéo. Bye bye.